Alors, je vais réaliser le sous-titrage d'une petite séquence vidéo qui dure une quarantaine de secondes. Et je vais faire ça dans Camtasia. Donc, première chose, je lance Camtasia. Je sais que ma séquence a une dimension de 1024 pixels sur 768. Donc, je vais aller dans le menu fichier de Camtasia, créer un projet qui a cette dimension-là. Menu fichier, nouveau projet. Voilà le projet. Je vérifie la dimension du canevas et menu édition, ajuster canevas. C'est bien 1024 sur 768. Si ce n'était pas le cas, j'aurais dû changer évidemment les valeurs. Je vais importer la séquence que je veux sous-titrer. Donc plusieurs solutions. À cet endroit-ci, bouton droit de la souris, importer média. Ou menu fichier, importer média, ou par clic et glisser, et là je bouge un peu la fenêtre de Camtasia. J'ai ma séquence qui se trouve ici, le fichier. Je vais déplacer le fichier sur la ligne du temps de Camtasia. Voilà, donc par clic et glisser, il est également possible de déplacer des éléments, ça peut être très intéressant pour accélérer le travail. Cette séquence, je vais la déplacer donc sur la gauche de la ligne du temps. Voilà, je la cale. Voilà. Zoom arrière avec la roulette sur la souris. Je vais aller dans les options audio. Je clique à cet endroit-ci. Et parmi toutes les options audio, celle qui m'intéresse, c'est l'option sous-titrage. J'amène cette option sous-titrage sur la partie de la ligne du temps que je veux sous-titrer, mais ici il n'y a pas beaucoup de choix, il n'y en a qu'une seule de partie actuellement. Dès que j'ai amené l'option sous-titrage sur la ligne du temps sur mon élément que je veux sous-titrer, je vois à cet endroit-ci la partie sous-titrage qui apparaît. Et donc les crêtes que je vois ici, c'est les volumes qui sont absolument identiques à ceux que je vois ici sur la ligne du temps. Je vais aller voir les options ici pour les sous-titres. Voilà, dans le petit menu, dernière ligne, options de sous-titrage. Donc, on m'indique que la fonte qui sera utilisée, c'est de l'Arial en taille 32. Voilà la couleur du texte, voilà la couleur de l'arrière-plan qui va servir à faire ressortir le texte au cas où certains endroits de la vidéo seraient blancs. Alors, comme vous voyez, la ligne qui concerne les sous-titres a déjà été découpée en parties égales, d'une durée de 4 secondes en fait. Mais vous allez pouvoir travailler là-dessus et modifier ça. Donc je vais ici en bas à gauche augmenter le zoom sur la ligne du temps. Voilà. Je clique sur la première partie ici. Bonjour. Voilà, je vois qu'il y a évidemment un mot ici, c'est bonjour. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais bouger ici cette partie-ci en me positionnant dessus. Voilà. Ensuite, je vais découper en deux parties ceci. Bouton droit de la souris, je clique sur cette partie-là. Couper le sous-titre. Voilà, il a été divisé en deux parties égales. Bonjour. Je travaille sur cette partie-ci. Je vais prendre cette fois-ci cette partie-là. Voilà. Et je vais indiquer le sous-titre. Voilà, là on voit que ce sous-titre va apparaître pendant 0,9 secondes. Pour passer au suivant et taper le contenu, je vais cliquer à cet endroit-ci. Dans cette vidéo, vous n'aurez pas grand-chose d'intéressant puisque c'est juste une vidéo qui va me servir de test. Voilà, je vais élargir un peu ici. Peut-être remettre un peu ici comme ça. Voilà. Et alors, je vais cliquer sur le bouton pour faire tourner en boucle cette partie-là de ma vidéo. Parce que pour écrire à l'aise le contenu, j'ai besoin de le réécouter plusieurs fois. Donc voilà.
Là, vous voyez que le sous-titre s'affichera pendant 4,6 secondes. Dans cette vidéo, vous n'aurez pas grand-chose d'intéressant puisque c'est juste une vidéo qui va me servir de test. Dans cette vidéo, vous n'aurez pas grand-chose d'intéressant puisque c'est juste une vidéo qui va me servir de test. Dans cette vidéo, vous n'aurez pas grand-chose d'intéressant puisque c'est juste une vidéo qui va me servir de test. Dans cette vidéo, vous n'aurez pas grand-chose d'intéressant puisque c'est juste une vidéo qui va me servir de test. Dans cette vidéo, vous n'aurez pas grand-chose d'intéressant puisque c'est juste une vidéo qui va me servir de test. Voilà, j'ai cliqué là pour arrêter. On voit le sous-titre qui apparaît. Et je vais faire les autres. Je reclique. Dans cette vidéo, vous n'aurez pas grand-chose d'intéressant puisque c'est juste une vidéo qui va me servir de... pour démontrer comment dans Camtasia je mets... Je redimensionne. Je clique. Pour démontrer comment dans je joue pour démontrer boucle. Comment dans Camtasia je mets des sous-titres. Pour démontrer comment dans Camtasia je mets des sous-titres. Pour démontrer comment dans Camtasia je mets des sous-titres. Pour démontrer comment dans Camtasia je mets des sous-titres. Pour démontrer comment dans Camtasia je mets des sous-titres. Pour démontrer comment dans Camtasia je mets des sous-titres. Pour démontrer comment dans Camtasia je mets des sous-titres. Dans cette vidéo, vous n'aurez pas grand-chose d'intéressant puisque c'est juste une vidéo qui va me servir de test. Dans cette vidéo, vous n'aurez pas grand-chose d'intéressant puisque... Là, vous voyez que je suis repassé à la phrase précédente parce que je ne m'étais pas rendu compte que cette phrase-ci était la suite de celle-ci. J'avais mis un point ici, à la fin. Et en fait, c'était une virgule qu'il fallait. Donc je suis revenu en arrière, j'ai mis la virgule. Je repasse au suivant. Pour démontrer comment dans Camtasia je mets je corrige. Des sous-titres. Voilà. Je passe au suivant. Comment je les récupère en tant que fichier SRT sur le disque dur. Comment j'envoie. Je redimensionne. Comment je les récupère en tant que fichier SRT sur le disque dur. Suivant. Comment j'envoie ce fichier SRT sur YouTube pour sous-titrer des vidéos. Comment je convertis ce fichier. Je redimensionne. Je clique. Comment j'envoie je ce tourne fichier... en boucle. Comment j'envoie ce fichier SRT sur YouTube pour sous-titrer des vidéos. Comment j'envoie ce fichier SRT sur YouTube pour sous-titrer des vidéos. Comment j'envoie ce fichier SRT sur YouTube pour sous-titrer des vidéos. Comment j'envoie ce fichier SRT sur YouTube pour sous-titrer. Comment je convertis ce fichier SRT en un fichier texte normal pour faire des mises en page web. Comment je convertis ce fichier SRT en un fichier texte normal pour faire des mises en page web. Comment. Voilà, j'élargis par la droite puisque visiblement c'est la même phrase. Je reclique. Comment je convertis ce fichier SRT. Comment je convertis ce fichier SRT en un fichier texte normal pour faire des mises en page. Web ou print. Comment je convertis ce fichier SRT en un fichier texte normal pour faire des mises en page. Web ou print. Comment je convertis ce fichier SRT en un fichier texte normal pour faire des mises en page. Web ou print. Comment je convertis ce fichier SRT en un fichier texte normal pour faire des mises en page. Web ou print. Et pour la conversion, j'utiliserai InDesign. Et pour la conversion, j'utiliserai InDesign. Ici, vous voyez que on a un espace... un silence avant la phrase suivante. J'ai peut-être pas envie que le sous-titre continue pendant ce silence. Donc qu'est-ce que je fais? Je clique ici, bouton droit, couper le sous-titre, je bouge, et donc ceci sera sans sous-titre. La preuve, je clique là. Comment je convertis ce fichier SRT? Là. Et pour la version, j'utiliserai InDesign, la fonction rechercher remplacer, et la fonction rechercher remplacer. Visiblement, il y avait quand même quelque chose. Est-ce qu'on aurait un petit problème d'affichage? Oui, un petit problème d'affichage. Donc, j'ai été redimensionné la ligne du temps ici. On avait un petit problème d'affichage. N'empêche qu'il y a quand même un silence. On l'avait entendu, mais on a un problème d'affichage. Donc ça, c'est la coupure que je viens de mettre précédemment par split caption. La conversion. Je la rebouge là, voilà. Donc celui-là, il tourne en boucle, comme ça. Il tourne en boucle, il n'y a rien évidemment,
Il n'y a pas de parole à cet endroit-là, donc je ne vais rien taper. Je passe au suivant. Et pour la conversion, j'utiliserai InDesign. Et pour la conversion, j'utiliserai InDesign. Et voilà. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire des longs sous-titres à chaque fois. Vous pouvez très bien, si vous voulez, et la fonction recherche faire ceci. Voilà. En plein milieu d'une phrase. Puis je clique là. Et pour la conversion, j'utiliserai InDesign. Voilà. Virgule. Et je passe à la suite de la phrase. Et la fonction recherche et remplacer de type grep. Bon amusement. Voilà, je split, bouton droit de la souris, comme ça, voilà. Donc ceci. Bon amusement. Alors étant donné que j'ai splitté après avoir tapé le texte, je me retrouve dans les deux parties ici avec le même texte. Et la fonction recherche et remplacer de type grep. Et ici. Bon amusement. À la place de bon amusement, il est marqué et la fonction recherche et remplacer de type grep. Donc ça ne va pas. Donc je vais supprimer avec la touche suppression de caractère sur le clavier. Je supprime le contenu. Je vais splitter ici. Voilà. Donc dans celui-là, rien. C'est du silence. Et puis ici. Bon amusement. Voilà. Voilà. Donc, ma séquence est sous-titrée. Camtasia est réglé pour enregistrer chaque minute le projet. Je peux faire l'enregistrement manuellement, fichier enregistré. Je vais l'enregistrer donc en tant que fichier CMPROJ, donc Camtasia Projet. Je vais l'appeler séquence sous-titrée, par exemple. C'est vous qui voyez comment vous renommez. J'enregistre. Je vais fermer. Juste pour vous montrer quelque chose. Je suis ici sur le disque dur. Donc, le projet Camtasia contient plein de choses. C'est un peu comme un dossier. Et quand je l'ouvre, toutes ces choses s'ouvrent dans Camtasia. Je double-clique. Voilà, je suis de retour dans Camtasia. Je ferme. Pour vous montrer que si j'enlève l'extension, le Mac ne va plus savoir qu'il s'agit d'un fichier de projet Camtasia. Voilà, ici je fais commande X. Voilà, et ça devient un dossier que je peux ouvrir et je vois le contenu du projet Camtasia. Généralement, ça n'a pas un intérêt énorme de faire ceci. Voilà. Je vais renommer à nouveau le projet Camtasia en remettant l'extension .cmproj et ça redevient un fichier de projet Camtasia. Alors, je vais vérifier bien sûr que je n'ai pas fait trop de fautes d'orthographe. Je vais rejouer la séquence et vérifier les sous-titres. Ou alors, je peux aussi le faire pas à pas. Bonjour. Voilà. Je clique sur la flèche ici pour montrer le sous-titre suivant. Dans cette vidéo, vous n'aurez pas grand-chose d'intéressant puisque c'est juste une vidéo qui va me servir de test. Si j'ai fait beaucoup d'erreurs, voilà la méthode qu'il va falloir utiliser pour corriger les erreurs. C'est le pas à pas. Pour démontrer comment dans Camtasia je mets des sous-titres, comment je les récupère en tant que fichier SRT sur le disque dur, comment j'envoie ce fichier SRT sur YouTube pour sous-titrer des vidéos,
Bon, et une fois que j'aurai corrigé toute la séquence, je reviendrai ici et je vais la jouer pour vérifier. Cette fois-ci, je joue avec le bouton lecture ici. Bonjour. Dans cette vidéo, vous n'aurez pas grand-chose d'intéressant puisque c'est juste une vidéo qui va me servir de test pour démontrer comment dans Camtasia je mets des sous-titres, comment je les récupère en tant que fichier SRT sur le disque dur, comment j'envoie ce fichier SRT sur YouTube pour sous-titrer des vidéos, comment je convertis ce fichier SRT en un fichier texte normal pour faire des mises en page web ou print. Voilà, là j'ai repéré une faute d'orthographe. Il y en a sans doute plus, mais j'en ai repéré une. Je clique Comment dessus. Je convertis voilà. Ce fichier SRT en un fichier texte normal pour faire des mises en page web ou print. Voilà. Comment je convertis ce fichier SRT en un fichier texte normal pour faire des mises en page web ou print. Et pour la conversion, j'utiliserai InDesign et la fonction recherche et remplacer de type grep. Bon amusement. Ensuite, je vais exporter la vidéo. Donc, partager, export avancé. Je vais l'appeler, je vais lui donner le même nom que le nom que j'ai donné au projet. Donc, je vais appuyer ici sur Cancel. Je vais appuyer ici sur Commande majuscule S. C'est l'équivalent d'un fichier enregistré sous. Je vais faire sur le titre ici qui est en surbrillance, je fais Commande C pour copier le titre. J'annule. Et là, partager, export avancé. Et là, dans la boîte, à la place de Untitled, je fais Commande V. Et voilà, j'ai transféré une copie du titre du projet sur le titre de la séquence. Ce qui a un double avantage, j'ai pas dû le taper déjà, et en plus, il me pointe directement le bon dossier, celui qui contient le projet. Le fait d'avoir été faire commande majuscule S juste avant de faire share advanced export, eh bien ça m'exporte directement le fichier vidéo vers le bon dossier, celui qui contient déjà le projet, donc ça peut être intéressant si on veut garder de l'ordre sur son disque dur. C'est pas la même extension, le projet c'est CMPROJ, et la séquence qui va être exportée c'est du .mp4, donc ça peut porter le même nom, puisque l'extension n'est pas la même. Dans les options ici, je vais dire que la vidéo va avoir un débit de qualité maximale, donc je mets 20 000 ici, évidemment ça ne va pas aller jusque 20 000, mais ça va prendre le débit maximal possible. On verra après ce qu'il va prendre comme débit en kilobits seconde. Je dis que la taille d'image, c'est la taille actuelle, je ne vais pas réduire, je ne vais pas changer, augmenter le nombre de pixels dans la vidéo, non, je prends la taille actuelle, c'est 1024 sur 768. Le nombre d'images secondes, je ne vais pas réduire non plus, je garde le nombre actuel. Les images clés, j'avais demandé que ça se mette de manière automatique, donc c'est un système pour compresser la vidéo pour qu'elle prenne moins de place sur le disque dur. Les options vidéo, je demande que le codage soit de la meilleure qualité possible, donc en plusieurs passes. En ce qui concerne l'audio, je vais demander également la qualité maximum. Donc l'encodage AAC, le débit 320 kbps, c'est le maximum. L'échantillonnage 48 000 kHz, c'est le maximum aussi. La méthode d'encodage, la meilleure. Donc vous voyez que j'exporte la vidéo avec la qualité maximale possible en MP4. Éventuellement, si j'ai besoin d'une version plus petite, un fichier plus petit, je réexporterai avec des valeurs moins importantes. Mais c'est intéressant de garder un fichier avec une vidéo de la plus haute qualité possible quand même. Ça peut servir, notamment quand on envoie sur YouTube. Tant que ça ne dépasse pas les limites autorisées par YouTube en termes de durée de la vidéo, en termes de poids du fichier. Je clique sur OK. Je clique sur Exporter. Et ça travaille.
Donc, à ce stade-ci, vous ne voyez apparaître rien du tout sur le disque dur. Voilà le dossier. Ça, c'est ma séquence originale que j'ai sous-titrée. Ça, c'est le projet. Mais il y a un troisième fichier qui va apparaître une fois que la petite ligne ici sera arrivée au bout. Pour l'instant, il est en train de préparer la création du fichier. Il utilise de l'espace disque pour écrire des données qui vont être utilisées lors de la création du fichier. Dès qu'il arrive là au bout, donc vous allez voir que le fichier va apparaître. Voilà. Donc ça, c'est le fichier qui est en train d'être généré. Ça va prendre un peu de temps. Dès que ce sera fini, l'icône changera et ce sera un fichier lisible un peu partout. Et là, les sous-titres sont inclus. Il n'y a pas de problème, les sous-titres seront là, en blanc, sur fond noir, comme demandé, comme on les voyait ici d'ailleurs dans la prévisualisation. On peut aussi générer très facilement une version sans sous-titres en allant ici dans les préférences des sous-titres et en demandant de désactiver les sous-titres. Donc vous n'êtes pas obligé évidemment de supprimer les sous-titres du projet dans le but de générer une version sans sous-titres. Il suffit d'aller dans les préférences ici des sous-titres et demander de désactiver les sous-titres. À un certain moment, vous allez voir que ça va franchement s'accélérer vers la fin. Je me suis dit, la compression d'une vidéo comme ça, ça peut prendre énormément de temps. Voilà, ça s'accélère. C'est fini. Il faut vous attendre à ce que ça puisse prendre entre 30 minutes, une heure, même parfois deux, et ça demande énormément d'espace libre sur le disque dur si vous voulez compresser des vidéos beaucoup plus longues. Donc, si je fais Reveal in Finder, ça va me montrer la fenêtre directement. Si je fais Close, ça ne me montre rien. C'est moi qui, manuellement, dois aller voir la fenêtre qui est derrière. Donc, comme je vous avais dit, la séquence ici MP4, l'icône a changé. Je vais double-cliquer sur elle. Elle va s'ouvrir dans QuickTime. Voilà, je suis dans QuickTime Player. Je vais demander éventuellement de visualiser avec une taille un peu moins grande. Voilà. Je joue. Bonjour. Dans cette vidéo, vous n'aurez pas grand-chose d'intéressant puisque c'est juste une vidéo qui va me servir de test. Je vais déplacer ici la barre parce qu'elle est juste au-dessus des sous-titres. Donc je la déplace où je veux sur la vidéo. La barre de lecture, de contrôle de la vidéo. Je joue. Bonjour. Dans cette vidéo, vous n'aurez pas grand-chose d'intéressant puisque c'est juste une vidéo qui va me servir de test pour démontrer comment dans Camtasia je mets des sous-titres, comment je les récupère en tant que fichier SRT. Bon, ça a l'air bon. Je vais fermer ça. Alors, cette vidéo, je peux l'envoyer sur YouTube avec les sous-titres qui sont inscrits en tant que pixel dans la vidéo. Mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus intelligent à faire. En fait, il vaut mieux envoyer sur YouTube la vidéo sans les sous-titres, et puis par la suite les télécharger. Pourquoi ? Parce que à ce moment-là, ce ne seront pas des pixels dans la vidéo, les sous-titres, ce seront réellement des sous-titres qui vont s'ajouter au-dessus de la vidéo dans YouTube. Et YouTube propose une fonction de traduction, donc quelqu'un qui ne comprend pas le français va pouvoir visualiser en anglais les sous-titres. Et en plus, ils sont indexés par Google, donc ça veut dire que votre vidéo aura beaucoup plus de chances d'être vue par des internautes. Donc, je vais retourner dans le projet ici Camtasia. Je vais aller désactiver les sous-titres. Voilà, dans les préférences ici, désactiver sous-titres. Je vais faire un export de la vidéo sans les sous-titres. Et ensuite, je vais exporter les sous-titres seuls. Et on va envoyer ça sur YouTube pour faire quelques petits tests. Donc, toujours dans les paramètres avancés d'export. Commande V. Ici, je vais indiquer que c'est la version sans sous-titres. Voilà, non sous-titré. J'exporte. Alors, les paramètres sont restés les mêmes. Il n'y a pas de problème.
Je peux aller vérifier, mais les paramètres d'exportation sont forcément les mêmes si on n'a pas été les changer entre-temps. Ce qui n'est pas le cas, évidemment, on n'a pas été changé entre-temps. Donc, j'exporte. Donc voilà, l'export est terminé. Je peux, dans ce cas-ci, cliquer sur « Montrer dans le Finder » si vous voulez. Donc vous voyez que ça revient au même que de cliquer sur « Close » et d'aller manuellement dans la fenêtre. Donc ça, c'est ma séquence non sous-titrée. Je vais double-cliquer sur elle. Je la visualise dans QuickTime Player. Je vais diminuer un peu ici la dimension pour la visualiser. Bonjour. Dans cette vidéo, vous n'aurez pas grand-chose d'intéressant puisque c'est juste une vidéo qui va me... Donc vous voyez, c'est la même que la précédente, sauf qu'elle n'a pas les sous-titres. Je ferme. Je reviens dans le projet Camtasia et je vais exporter le fichier des sous-titres. Partager, sous-titres. Voilà, je peux lui donner le nom séquence sous-titrée si je veux. Et le format, on a le choix entre le SRT et le SAMI. Ce sont deux formats de sous-titrage. Je vais garder le SRT. Donc, on voit que l'extension .srt se trouve là. J'exporte, j'enregistre. Voilà, c'est fini. Ça prend moins d'une seconde, bien entendu. C'est juste un fichier texte qui s'est écrit sur le disque dur. Je vais voir sur le Finder. Et je trouve mon fichier .srt. Je vais aller dans YouTube. Voilà, je vais taper le nom d'un utilisateur que j'ai créé là juste précédemment. Le mot de passe. Et je vais ajouter une vidéo. Je vais sélectionner les fichiers que j'ajoute. Donc je vais envoyer la version non sous-titrée et la version sous-titrée également. Ça, je vous rappelle que c'est ma première vidéo. C'est vrai que dans ce cas-ci, vu que je n'ai pas fait de montage dans Camtasia, ma version non sous-titrée est identique au fichier original. Mais il faut penser que j'aurais pu faire des montages, laisser tomber une partie de la vidéo dans Camtasia. Voilà, j'ouvre et c'est envoyé. Donc je vais garder ici le nom, sauf que je vais enlever l'extension .mp4. Voilà, YouTube m'indique qu'il y a peut-être des problèmes de synchronisation audio-vidéo, mais en fait il n'y en a pas. J'ai la deuxième vidéo qui est déjà en train d'être envoyée également et d'être traitée ici. Elle est déjà envoyée, elle est déjà en train d'être traitée. Je demande de voir plus de détails. Voilà, je vais retirer également sur cette deuxième vidéo, donc sur la version sous-titrée, je vais retirer l'extension .mp4. Voilà, on m'indique maintenant que je suis arrivé à 100%. Je vais ici aller sur « Gérer mes vidéos » ou à cet endroit-ci « Gestionnaire de vidéos », c'est la même chose. Voilà les deux vidéos que je viens d'envoyer. Je vais regarder la version sous-titrée. Bonjour. Dans cette vidéo, vous n'aurez pas grand-chose d'intéressant puisque c'est juste une vidéo qui va me servir de test pour démontrer comment dans Camtasia je mets des sous-titres. Voilà, vous avez compris que donc sur cette vidéo, les sous-titres sont là en tant que pixels. Mais pour YouTube, c'est pas l'idéal, parce que ça ne propose pas la traduction des sous-titres, et ça n'est pas indexé par Google. Donc deux problèmes que je n'aurai pas avec l'autre vidéo, donc je vous conseille plutôt de faire la méthode qui va être montrée ici, c'est-à-dire envoyer la vidéo sans
les sous-titres. Voilà, je passe sur la séquence non sous-titrée. Bonjour. Dans cette vidéo, vous n'aurez pas grand-chose d'intéressant puisque c'est juste une vidéo qui va me servir de test. Voilà, vous avez compris que c'est la version non sous-titrée. Alors, quand je suis sur la page de la vidéo ici, j'ai ici une fonction modifier les sous-titres. Je clique dessus. Et là, on me dit que je peux ajouter des sous-titres. Donc, je vais sur mon disque dur. Et je vais télécharger le fichier .srt. Voilà. Donc là, je viens simplement d'indiquer où il se trouve. Mais là, je vais l'importer. Ah oui, il faut que j'indique qu'il s'agit de français. C'est très important d'indiquer la langue. Voilà. Importer le fichier. Et c'est fait. Donc, je vais demander de regarder la vidéo sur sa page. Et alors là, qu'est-ce qu'on remarque? Le bouton CC est enclenché. Parce que dans mes préférences YouTube, il est indiqué que dès qu'il y a des sous-titres, il faut me les montrer. Donc, les sous-titres sont enclenchés. Je lis. Bonjour. Dans cette vidéo, vous n'aurez pas grand-chose d'intéressant puisque c'est juste une vidéo qui va me servir de test. Donc il s'agit ici de sous-titres mis par YouTube sur une séquence qui ne contient pas de sous-titres au départ. Si je clique sur le bouton ici « Sous-titres », je vois que j'ai la possibilité de traduire les sous-titres. Voyons un peu ce que ça raconte. C'est très intéressant, ça va permettre que la vidéo soit accessible à vraiment un maximum de personnes dans le monde. Il y a énormément de langues ici. Donc je demande de traduire vers l'anglais. Voilà, ok. Je vais jouer. Je me remets au début de la vidéo. Je rejoue. Bonjour. Dans cette vidéo, vous n'aurez pas grand-chose d'intéressant puisque c'est juste une vidéo qui va me servir de test. Donc vous voyez que la traduction n'est pas mauvaise du tout. Alors, ce fichier SRT, si j'essaye de l'ouvrir dans des logiciels de mise en page, il y a beaucoup de chances qu'il ne veuille pas s'ouvrir, mais il y a un logiciel qui va réussir à l'ouvrir, c'est OpenOffice, un logiciel gratuit, une suite de logiciels gratuits. Donc, bouton droit de la souris, ouvrir avec OpenOffice. Et voilà la boîte des options pour ouvrir le fichier .srt. Donc, je prends ces options-là. Et voilà le fichier .srt qui s'est ouvert. Donc, à l'aide du petit curseur ici en bas, je vais zoomer sur la page. Voilà. En bas à droite, j'ai le petit curseur qui me permet de zoomer sur la page. Et on voit de quoi est constitué le fichier .srt. Donc les sous-titres sont numérotés. Juste après la numérotation du chiffre, j'ai un signe de fin de paragraphe. Ensuite, il y a les codes temporels qui m'indiquent que le premier sous-titre va de 0 jusqu'à la seconde 2,633. Et il n'y a pas de sous-titre en fait. C'était du vide. Deuxième sous-titre de la seconde 2,633 jusqu'à la seconde 3,700, c'est le sous-titre « Bonjour ». Vous voyez que les espaces sont indiqués ici par un point. Alors vous n'avez peut-être pas ces caractères qui s'affichent chez vous, parce que, en fait, dans OpenOffice, ici, dans le menu « Affichage », j'ai été demandé de me montrer les caractères non imprimables. Donc il est possible que chez vous, vous ayez en fait ceci. Normalement, en tant que professionnel, quand on travaille sur une mise en page, on affiche toujours les caractères non imprimables. Ça permet de repérer rapidement si on a des doubles espaces, etc. Donc dans le menu affichage, caractères non imprimables, voilà. Je vois les signes de fin de paragraphe et les espaces sous forme de points.
Mais enfin, pour ce qu'on veut faire ici dans Open Office, ça n'a pas une importance énorme que les caractères non imprimables soient affichés ou pas, puisque de toute façon, on ne fait que passer dans Open Office. On va faire le rechercher remplacer grep dans InDesign. Alors, j'ai tenté de le faire dans Open Office, qui propose la fonction rechercher remplacer grep, mais pas sur les balises. Il est possible que ça sache le faire, mais comme je ne connais pas bien Open Office, je n'arrive pas à faire un rechercher remplacer qui inclut les balises. Je ne sais le faire que sur du texte. Donc c'est pour ça que je vais aller le faire dans InDesign. Et pour pouvoir ouvrir ceci dans InDesign, je vais faire fichier enregistrer sous. Et je vais enregistrer en tant que texte codé. Voilà. On a plein de formats possibles, mais du .txt, ce sera pas mal. C'est un format de fichier texte qui n'inclut pas les styles, mais ce n'est pas grave, puisque de toute façon, ici, ce qui m'intéresse, c'est juste le contenu, le texte. Il n'y a pas de formatage, j'ai pas mis du gras à certains endroits, de la couleur à d'autres endroits, donc c'est un texte non formaté, donc le .txt, ça convient. J'enregistre. Il me demande qu'est-ce que je veux faire. Donc, il me dit que une partie du formatage risque d'être perdue, mais comme j'ai pas fait de formatage, c'est pas grave. Il me propose de l'enregistrer au .odf, qui permet d'inclure donc le formatage que j'aurais fait. Mais comme j'en ai pas fait, je dis que je veux conserver le format actuel, donc le .txt. Voilà. Donc je me retrouve sur le disque dur avec mon fichier .txt. Quand je double-clique sur lui, il s'ouvre dans le logiciel TextEdit du Mac. Et je vais aller dans InDesign. Alors, dans InDesign, je fais un nouveau document, menu fichier, nouveau document. Je vais décocher page en vis-à-vis, j'ai pas envie d'avoir des doubles pages. Je vais indiquer par exemple que je veux 20 pages, c'est sans doute beaucoup trop, mais c'est pas grave. Je vais indiquer que je veux des blocs de texte type. C'est une page format A4, orientation verticale. Je clique sur OK. Donc voilà, dans ma palette de pages, je vois mes 20 pages, et voici la première page. Je vais déverrouiller le bloc de texte type qui se trouve dans la maquette. Touche commande majuscule, je clique. Commande majuscule permet de déverrouiller. Donc le bloc qui était verrouillé dans la maquette est maintenant accessible via le document. Avec l'outil texte, je clique dans ce bloc, je vois le curseur qui clignote là en haut à gauche. Et je vais insérer le texte fichier importer. Et je vais importer le fichier texte ici. Et voilà. Donc je me retrouve avec mon fichier texte. Et automatiquement, là, je vais zoomer en arrière, vous allez voir que automatiquement, il coule de la première page vers la deuxième. Alors, si je demande dans le menu Affichage, Extra, Afficher le chaînage du texte. Voilà, on voit que la première page est chaînée avec la deuxième. Donc en fait, évidemment, ici, je n'ai pas énormément de sous-titres, c'était juste une séquence de 36 secondes. Mais imaginez une séquence de 10 minutes, 20 minutes, vous aurez besoin de toutes les pages là qui ont été créées par la suite. Alors je vais enregistrer ce fichier InDesign, fichier enregistré sous. Voilà, extension .indd. Et puis je vais, maintenant que le document est enregistré, je vais le réenregistrer une seconde fois. Fichier enregistré sous. Même nom, sauf que je vais indiquer que c'est la version nettoyée. Alors que ce n'est pas encore la version nettoyée, mais je vais le faire là tout de suite. Donc par sécurité, je garde l'ancienne version non nettoyée. Dans InDesign, je vais demander d'afficher les caractères masqués, donc menu texte, afficher les caractères masqués. Voilà, comme prévu, on constate qu'on a la même chose que ce qu'on avait dans OpenOffice,
donc les signes de fin de paragraphe. Les espaces sont montrés par un point. Voilà. Alors, mon but ici, c'est de pouvoir utiliser ces sous-titres dans une mise en page. Il n'y a que les sous-titres qui m'intéressent ici. Je n'ai pas besoin du code temporel ni de la numérotation du sous-titre. Menu Édition, Rechercher, Remplacer. Dans la boîte de recherche remplacement, j'indique que je veux faire une recherche de type GREP. Il va falloir que j'indique qu'est-ce que je recherche et par quoi je le remplace. Voilà ce que vous allez devoir indiquer dans la boîte recherchée. Et vous allez remplacer par ben rien, mais vous laissez ça vide. Donc en fait, on va faire une suppression. Comment est-ce qu'il faut comprendre cette recherche GREP ? Anti/slash R indique qu'on recherche un retour paragraphe. Ce sera celui-ci, celui qui se situe juste avant la numérotation du sous-titre. Anti/slash W indique qu'on recherche un caractère quelconque. Ce sera un chiffre ou deux chiffres. Le plus point d'interrogation indique qu'il peut s'agir d'un chiffre ou plusieurs. Jusqu'au retour de paragraphe suivant, c'est celui qui se trouve juste après le chiffre. Ensuite, on recherche un caractère quelconque. Donc, ça peut être des chiffres, deux points, virgule, trait, signe supérieur. Donc, on recherche des caractères quelconques. C'est en fait tout ce qui se constitue, dans ce cas-ci, le code temporel. Encore une fois, le plus point d'interrogation indique que peu importe le nombre qui constitue ce code temporel, ce qui nous intéresse, c'est tout jusqu'au retour paragraphe suivant. C'est celui-là. Ça veut dire qu'on recherche dans le document texte un retour de paragraphe suivi d'un chiffre ou plusieurs, suivi d'un retour paragraphe, suivi d'un nombre de caractères quelconques indéfinis, suivi eux-mêmes d'un signe de retour de paragraphe. Et on les remplace par quoi ? Mais on les remplace par rien. Donc ça veut dire qu'il suffit que je clique maintenant sur « Tout remplacer » et mon document va être complètement nettoyé. Comme vous allez le remarquer ici, je clique sur « Tout remplacer ». On m'indique dans ce cas-ci qu'il y a 13 modifications qui ont été effectuées. OK. Je clique sur « Terminer ». Et voilà. Mes codes temporels ont été supprimés. Il ne me reste plus que les sous-titres. Sauf le premier code temporel, il va falloir que je le supprime manuellement. Mais ça, c'est pas un problème. Voilà, je le sélectionne, touche suppression, il est supprimé. Il est possible que j'ai des problèmes de double retour de paragraphe qui se suivent. Par exemple, ici, à la fin de la phrase, j'ai un retour paragraphe et ensuite, début de la ligne suivante, c'est un retour paragraphe seul, c'est un paragraphe vide. Ça, c'est quand on avait des sous-titres vides. Donc, pour supprimer ce double retour de paragraphe, je vais dans Édition, Rechercher, Remplacer. Oui, je peux faire ceci toujours en grep. Je vais dire que je recherche deux signes de paragraphe qui se suivent et je vais les remplacer par un seul. Donc, sur le Mac, Alt majuscule slash me fait l'anti-slash. J'indique R. Je remplace donc bien deux signes de fin de paragraphe qui se suivent, sans rien entre eux, par un seul signe de paragraphe. Tout remplacer. Voilà, ça me dit qu'il y a quatre modifications qui ont été effectuées. OK. Et comme prévu, je n'ai plus le double signe de paragraphe que j'avais. À la fin de la phrase, j'ai le signe de fin de paragraphe ici, mais la phrase suivante, la ligne suivante, ce n'est plus un paragraphe vide. Voilà, je clique sur Terminer. Et donc ceci, on peut le mettre en page, on peut l'utiliser sur le web. Après, c'est l'utilisation de InDesign ou de Dreamweaver ou d'un autre logiciel web. Mais ça, c'est une autre histoire.
J'ai un peu modifié le projet pour vous démontrer quelque chose. Ici, j'ai un sous-titre qui concerne en fait toute cette phrase-ci. Il faudrait que j'arrive à fusionner cette cellule-ci avec la suivante et avec la suivante pour que le sous-titre qu'on voit ici recouvre toute la phrase. Eh bien, pour faire ça, bouton droit de la souris, fusionner avec le sous-titre suivant. Voilà. À nouveau, bouton droit de la souris, fusionner avec le sous-titre suivant. Alors, si mes cellules contiennent déjà des sous-titres, voilà par exemple une cellule qui contient le sous-titre et pour la conversion, j'utiliserai InDesign. La cellule suivante contient le sous-titre et la fonction recherche et remplacer de type grep. Que se passe-t-il si je fusionne cette cellule-ci avec la suivante qui contient déjà un sous-titre? Vous voyez qu'elle est grisée ici, gris clair pour indiquer qu'elle contient un sous-titre. On a tapé quelque chose. On voit bien la différence par rapport à, par exemple, cette cellule-ci qui n'a pas de sous-titre. C'est un silence. Donc, je clique sur celle-ci. Je vais demander bouton droit de la souris fusionner avec le sous-titre suivant. Et automatiquement, les deux sous-titres se sont également fusionnés. Donc, ça, c'est très bien. Vous avez remarqué que automatiquement, Camtasia a séparé la ligne de sous-titrage en zone de 4 secondes. Il n'est pas possible de modifier ça. Par ailleurs, il faut savoir que normalement, un sous-titrage doit durer entre 2 et 7 secondes. Vous avez ici une option qui vous permet de mettre en surbrillance les sous-titrages dont la durée est en dessous de 2 secondes. Donc c'est l'option « Show non-compliant duration ». À partir de là, tout ce qui apparaît en rouge dans la barre des sous-titres ici, ce sont des sous-titrages dont la durée est en dessous de 2 secondes, et donc il est possible qu'il soit difficile de les lire, parce qu'ils n'apparaissent pas assez longtemps. Si vous avez des sous-titrages dont la durée est supérieure à 7 secondes, c'est le même problème, les phrases sont trop longues, et ce sera difficile de les lire. Ça apparaîtra également en rouge. Mais ici, nous n'avons pas de sous-titrage dont la durée est supérieure à 7 secondes. Le sous-titre qui paraît le plus long ici, c'est celui-ci, et sa durée est de 6 secondes. Si je l'élargis, je suis au-delà des 7 secondes, il apparaît en rouge. Donc vous voyez qu'il s'agirait là d'un sous-titrage trop long. Il vaut mieux éviter ça. Techniquement, rien ne vous pose des problèmes pour faire ça. Simplement, il faut savoir qu'il y a des normes dont on vous parle ici dans Camtasia. Si vous faites bouton droit de la souris, tutoriaux à propos des sous-titres, vous avez ici les normes d'accessibilité aux personnes déficientes auditives. Je vous invite vraiment à lire ça parce qu'il y a beaucoup plus que ce que je vous en ai dit ici. Vous avez vu la manière dont j'ai envoyé la vidéo non sous-titrée sur YouTube et puis, parallèlement, j'ai envoyé le fichier .srt sur YouTube. Si vous voulez, il est également possible, au départ de Camtasia, d'envoyer directement la vidéo vers YouTube. Menu partagé, YouTube. Vous indiquez votre email ou votre pseudo YouTube et vous indiquez votre mot de passe. Et là, il faut évidemment être connecté à Internet, puisque ça se connecte sur YouTube. Voilà. Ça m'indique que je suis connecté à YouTube avec ce pseudo, et ça me propose d'envoyer la vidéo sous ce nom-là. Et alors, à ce moment-là, si la vidéo contient une piste de sous-titres que je n'ai pas désactivée manuellement via les préférences ici, elle sera accessible. C'est une autre manière de faire, pourquoi pas. Ici, je vais cliquer sur « Partager ».
Voilà, la vidéo est générée et sera envoyée sur YouTube automatiquement. Donc là, le sous-titrage sera accessible à ceux qui le souhaitent. Ils cliqueront sur le bouton CC sous la vidéo. Et ceux qui ne souhaitent pas voir la vidéo avec le sous-titrage n'auront qu'à désactiver le bouton CC sous la vidéo. Donc ça, c'est ce qu'on appelle du closed captioning, c'est-à-dire du sous-titrage qu'on peut enclencher ou désenclencher si on le souhaite. Si vous faites une exportation vers iTunes ou d'autres appareils de lecture de vidéo, style iPod, à ce moment-là, les sous-titrages seront inscrits dans la vidéo en tant que pixels et on ne pourra pas les désactiver. C'est ce qu'on appelle de l'open captioning. Voilà, la vidéo a été envoyée sur YouTube. On me propose le code pour pouvoir mettre cette vidéo sur un blog ou un site web. Donc c'est un code à inclure dans le HTML des pages web. C'est quand on fait du web design, bien sûr. Je vais cliquer sur « Lancer l'URL » pour aller voir la vidéo. Là où elle se trouve, la voilà. Donc c'est ma troisième vidéo, bien entendu. Bonjour. Dans cette vidéo, vous n'aurez pas grand-chose d'intéressant puisque c'est juste une vidéo. Voilà, comme prévu, il y a les sous-titres désactivables. Bon, j'ai un petit problème ici, c'est qu'il est indiqué que les sous-titres sont en anglais. En fait, j'aurais dû ici dans les préférences de Camtasia, et plus particulièrement les préférences de la bande de sous-titrage, indiquer quelle est la langue. Donc je vais indiquer que c'est du français. Voilà. Il est indiqué que c'est du français. À partir de là, si je réexporte vers YouTube, ça va fonctionner. Voilà, je vais aller voir sur la page de la vidéo. C'est donc ma quatrième vidéo. Donc ça m'indique toujours qu'il s'agit d'anglais. Donc, petit ennui de ce côté-là. Alors je vais aller voir si je peux, via modifier les sous-titres ici, si je peux indiquer qu'il s'agit en fait de français. Modifier la piste, voilà. Je vais préciser, je vais corriger pour YouTube. Il n'a pas repéré dans le fichier Camtasia que j'ai envoyé, il n'a pas repéré qu'il s'agissait en fait de français, malgré que c'était indiqué. Donc, voilà, je lui ai indiqué là manuellement. J'enregistre les modifications. Je reviens sur la page de lecture de la vidéo. Alors, qu'est-ce que ça raconte ici? Ça indique bien qu'il s'agit de français, et donc si je demande maintenant de traduire les sous-titres en anglais, ça va fonctionner. Tout de suite, voilà. Mais pas grand-chose d'intéressant, puisque c'est juste une vidéo qui va me servir de test pour démontrer comment dans Camtasia je mets des sous-titres. Alors, de retour dans Camtasia, je vais cette fois-ci faire une exportation pour iTunes. C'est du MP4. Et on me demande quel est l'appareil pour lequel cette vidéo est destinée. Donc je vais prendre iPhone 4. Je vais dans iTunes, je demande d'afficher les films. J'en avais pas avant, donc c'est pour ça que dans la liste ici des films, je ne vois que le film que je viens de générer. Bouton de lecture. Bonjour. Dans cette vidéo, vous n'aurez pas grand-chose d'intéressant puisque c'est juste une vidéo qui va me servir de test.
Donc là, vous voyez, il s'agit vraiment d'open captioning, c'est-à-dire que les sous-titres sont inscrits en tant que pixels dans la vidéo. On ne peut pas les désactiver. Évidemment, ce fichier MP4 est lisible dans plein d'autres appareils que les iPods, dans plein d'autres logiciels aussi. C'est vraiment un format standard, le MP4. On peut même le graver pour en faire un DVD.